Bonjour à tous et bienvenue à l'économie de A à Z qui s'intéresse aujourd'hui aux bénéfices d'inventaire. Pouvez-vous définir le bénéfice d'inventaire? Un bénéfice d'inventaire pour moi c'est ce que tu crées ton entreprise, tu inventes quelque chose, tu crées quelque chose, c'est le revenu que tu gagnes que moi c'est ça. Le revenu, c'est parce que quand on parle d'invention, c'est lorsque nous créons nous-mêmes notre propre entreprise et puis notre bénéfice, c'est ce que moi je vois. D'abord, l'inventaire, c'est quoi? C'est lorsque vous conservez, n'est-ce pas, dans le milieu, par exemple, du matériel, des matériaux. Quand on dit on fait un inventaire, c'est on fait des statistiques sur ce qu'on a fait sortir. Lorsqu'on garde certaines choses, on fait sortir d'autres choses. Et à la fin, on fait un calcul pour voir ce qui est sorti et ce qui reste. Maintenant, pour dire que pour avoir un bénéfice d'inventaire, c'est lorsque vous avez dans l'ensemble, n'est-ce pas, fait une statistique d'abord en aval. Vous dites que vous allez sortir, par exemple, un tel nombre de produits et qu'à la fin, vous faites un calcul pour dire qu'il va vous rester, par exemple, peut-être 40 ou 50% de ce que vous avez prévu et qu'il vous reste en plus de ce que vous avez, n'est-ce pas, comme on appelle, considéré, voilà, vous gagnez. Et ce que vous gagnez, certainement, c'est ce qu'on appelle le bénéfice. Non, j'ai pas une idée là-dessus. Je n'ai jamais entendu parler de ça, au fait. Voilà, moi, je suis étudiant en sciences politiques. Donc, si c'était au moins un sujet politique, j'allais peut-être débattre là-dessus. Je crois que c'est le résultat d'une activité. C'est le résultat d'une activité pour moi. Un bénéfice d'inventaire. C'est après sur les ventes de l'année que le commerçant fait son bénéfice, il voit comment il a reçu. Je n'ai pas envie de dire des bêtises, hein. Je ne vois pas tellement. Le bénéfice d'un inventaire, qu'est-ce que je pourrais dire? Sur quel plan? Sur le plan... sur le plan financier ou bien sur... je ne sais pas. Parce que l'inventaire, c'est l'état, la situation de ce dont on dispose à l'intérieur d'un magasin, à un moment donné. Bon, il peut se faire qu'il y ait des produits qui manquent ou des produits qui sont en plus. Voilà, il peut se faire qu'il y ait des produits qui manquent ou des produits qui sont en plus. Donc, le bénéfice d'un inventaire, je ne sais pas comment vous l'entendez. En termes de produits en plus, ou bien en termes de... Je ne sais pas, je voudrais que vous me situiez. Sachez tout simplement que le bénéfice d'inventaire est la possibilité pour un héritier ou un légataire d'accéder à l'inventaire d'une succession afin de déterminer s'il accepte ou refuse la succession. Il s'agit d'une condition suspensive d'acceptation de la succession qui permet à un potentiel héritier, entre autres, d'éviter les dettes du défunt. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Économie de A à Z, on vous retrouve demain pour un prochain numéro.